Ok les amis, bah écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hein, consacrée bien sûr au mode story de Tekken 8. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Alors je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, donc veuillez m'excuser hein, pour le timing si jamais il y a un, comment dire, un délai assez long. Et aussi pour les chargements, étant donné que je suis en plein à côté de téléchargement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de latence, c'est tout ce que j'espère entre les cinématiques. Mais c'est parti, puisque apparemment avec ce nouveau patch est arrivé donc un nouveau mode histoire qui est lié à Hihachi. Et j'espère que ce mode histoire va forcément, j'espère, enfin forcément, j'espère qu'il va nous débloquer bah, le fameux stage où se trouve Hihachi, qui est quand même un stage qui me fait penser beaucoup à celui d'Akuma, avec les énormes statues, vous savez, derrière et tout. Donc, bref, quelque chose d'assez puissant. Donc on est ici en mode histoire, logiquement. Et voilà, je suis au premier chapitre, hein, tout au début du truc. Et donc c'est parti les amis, j'espère que vous allez kiffer. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, commenter, liker, partager, c'est très important, merci. Parce que ça donne de la force à la chaîne, elle en a bien besoin. Merci d'avance. Merci, merci les amis. Et c'est parti pour le mode histoire, deuxième mode histoire, on va dire, hein, donc, de Tekken 8. C'est parti. Téléchargement forcément, on attend patiemment, ça va pas tarder à arriver, vous inquiétez pas, ça va lancer les premières cinématiques. Allez. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé d'Hiachi, hein. Est-ce que vous trouvez que le perso a été respecté? Ce qu'ils lui ont rajouté? Ouh, je crois que c'est parti. Premier chapitre. On voit des corps par terre directement. Ouh là là là, avec Kazuya en version Evil. Ça y est, on est reparti, les amis. Ça y est. Ah ouais, il était en plein cauchemar. Et dit... Ah, Yoshimitsu. Genre, on sait qu'Eddie va se fight. Ça va être pas mal, ça va être intéressant. Oh là, c'est qui? C'est Lars? Ouais. Ouviu certo. Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. Soka. Naraba Kyoto aite ni fusawashii ka. Kakugo o shimeshi. Oh, ça va se fight. Ok, première fight les amis. Oh voilà, déjà j'ouvre la garde au calme. Voilà, tac. Ah ouais, carrément, il a gardé tout ça. C'est ouf. Ok. Ouh. Ok. Waouh, deuxième combo. Oh, il m'a fait mal là. Ah, par contre, c'est bien parce qu'ils mettent des phases. Ah, carrément. Allez, je lui mets le hit smash au calme. Ah, voilà, hop. On lui fait la même chose une deuxième fois, malheureusement ça va taper dans le vide. Hop, 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 hop. Ah voilà. Il veut se faire le deuxième round. Deuxième round, il est chaud. Il m'a contré. Ok. Et j'ai mis en mode facile, hein. Il m'a déjà arraché tout ça. Ok. Oh, par contre. Ah, ils font exprès, ouais. Je pense que c'est pour qu'on kiffe un peu plus les. Lui, il smash. Je lui mets directement. Il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ok, balayette. Hop. Hop là. Oh oui.
Par contre, je sais pas pourquoi il fait pas. Je fais pas ce coup-là, mais bref. C'est passé. Voilà, premier adversaire, hein, Lars. Allez. Ainda precisamos de mais aliados se quisermos vencer. Soka. Daga, sono mai ni. Zehi atte hoshii jinbutsu ga iru. Operation Lightning no kagi to naru. OK. Ore tachi no kirifuda. Ah, directement on va affronter Jin. Kazama Jin. Pardon, désolé les amis. Alors dites-moi, parce que je suis pas non plus un grand connaisseur hein, de l'histoire de Tekken, mais dites-moi si cette intervention et c'est ah ouais, ils reprennent un petit peu des flashbacks des anciens Tekken. Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que ça se suit? Ou est-ce que ça a plus vraiment de sens? Donc alors, ok, j'affronte Jin. Ouah, et on est directement un coup électrique. Ah ouais. Hop. Ok. Je vais tous me les taper. Ok, ok. Hop, 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 hop là. Oh, carrément. Ah, c'est marrant parce qu'ils mettent des flashbacks des anciens. Ok, hop. Voilà. On va lui montrer qui c'est les patrons ici. Hop. Ah ouais, carrément. Petit chop au calme. Deuxième petit chop au calme. Petit chop au calme. Voilà. Ah mais il perd pas de vie ou quoi, c'est quoi ce délire? Wow. Et où est-ce qu'il part? Voilà, le double coup de pied. C'est fait. O que aconteceu foi resultado das minhas escolhas, não foi culpa sua. Não importam os desafios do caminho, as pessoas sempre se recuperam. Estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Você pode mudar também, Jin. Vamos lutar pelo futuro, como amigos. Ok. Bon, c'était pas un vrai combat en fait, c'est juste un petit truc pour tester leur level à tous les deux. Bon, ce qui est pas mal sympa. On se retrouve dans le fameux avion où il y avait le panda, l'ours et compagnie. Vous savez, hein, dans Tekken, ils sont divisés par plusieurs groupes. Hein. Là, j'ai l'impression que l'histoire tourne autour d'Eddie. Alors désolé hein, si vous m'entendez désolé si vous m'entendez un petit peu au niveau de la cloison nasale, on va dire. Désolé hein, si vous m'entendez parce que je suis un peu malade, désolé vraiment excusez-moi les amis pour ça. Donc on va voir qui est-ce que j'affronte, qu'est-ce qui va se passer, et j'ai bien sûr, on attend bien sûr Ihachi hein, l'apparition d'Ihachi, c'est lui qu'on attend les amis. Donc on va voir à quel moment il va faire son apparition. Est-ce qu'il va faire ça dès le début, au milieu ou tout à la fin de d'apparemment cette nouvelle histoire de Tekken 8. En tout cas, j'espère que vous kiffez.
Une fois de mes... Remnant dogs of the Mishima Zaibatsu. Any last words? Ah, les fameuses armées de du fils, la fameuse armée du fils, hein, qui foutent la, vraiment la merde, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment la guerre, hein, dans Tekken. Hein. Ça a toujours été la guerre, d'ailleurs. Donc on va pas tarder à voir Kazuya, je pense. S'il y a l'armée, donc on va avoir plusieurs de ses soldats. Il y a Dragonov aussi, je crois qu'il travaille pour Kazuya, déjà. Ah, ça y est, ça va encore se fight. Là, il tape des... bon, là, c'est les sbires, mais après, il va y avoir un... forcément un des chefs ou quelqu'un qui va contre qui il va devoir se fight aussi. Eiji. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est que ce dé... Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ok, il y en a un autre, forcément. Et il va y en avoir un autre, forcément. Ok. Oh là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ça s'arrête là? Ouais, il fallait en tuer 3, ok. Ok, il fallait en avoir 3 d'affilée. C'est fait. On a fait le taf. Et on va voir la suite. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir forcément, soit Dragonov, soit un... En tout cas, quelqu'un qui travaille, je pense que pour Kazuya. Je pense pas qu'on va affronter Kazuya tout de suite. Allez, qu'est-ce qui va débouler? Un Jack. Jack, je crois aussi qu'il travaille aussi... Voilà, c'est ça. Parce que lui aussi, il fait partie de l'armée. Ok, ok. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Oh. Ouh, par contre, je vais devoir en buter plein, c'est ça? Ok. Ah, ça devient un peu plus difficile. Parce que Jack, c'est quand même plus balèze. Ouh, oh, oh, oh. Hop là, ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait, ok. Il y en a un autre qui vient. Ok, c'est terminé. Ça y est, j'ai accompli ma petite mission. Maintenant, on va voir le prochain, les amis. En tout cas, Eddie, c'est vrai que vous appuyez sur un bouton, il fait des auto-combos. Après, il charge... avec ses pieds, l'espèce de d'énergie là qui est au niveau de ses pieds, donc du coup ça débloque d'autres coups et ça le rend un peu plus puissant. Surtout ce fait que ça débloque d'autres coups, c'est assez stylé. Ah, Nina! Ça, qu'est-ce qui va me tirer dessus? Ça, c'est Nina, ça. Ok, c'est parti. Going somewhere? Eddie Gordo. Ok, ok. Nina, você está com esse corpo? Os piores nunca cansam, não é? You're giving me a run for my money. The playtime is over. Fight. Ah ouais, carrément. Hop, hop, on lui met le East Match. Ah ouais, carrément, c'est marrant. À chaque fois, il remontre les anciens Tekken avec les graphismes en Full HD comme ça. Ça fait vraiment triper. Hein. Ah. Ah, tu vas pas taper, hein. On va pas te laisser gagner. Hop. Hop. Allez, la petite chope. Ah, ça déchope. Hein. L'ordinateur qui déchope. Ah, il m'a bloqué sur la fin du combo. Et là, la chope pour terminer. Ah ouais. Oh, c'est bon. Il va y avoir un deuxième round, forcément. Elle a pas compris. Elle a pas compris la leçon. Elle a pas compris la leçon. On va la défoncer. Ouh.
l'engageur. Ah oui, carrément, je me fais flinguer et tout, carrément. Waouh, c'est quoi ce délire? D'accord, ok. Donc quand elle cherche son truc, elle est beaucoup plus puissante. Allez, lui, smash, histoire de lui arracher un peu de la bas. Ah, hop. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok. Ils lui ont mis une espèce de mode où elle est vraiment plus puissante. Mais elle va quand même derrière. Voilà. Ok. Et... Ah ouais, ça a bloqué. You know me so well. Look, I got the data. Bon, désolé, hein, ça charge, hein, c'est les temps de chargement. See you later. Ah, je pense qu'ils vont se revoir. Oh, bah alors. Pessoal, atenção. Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. Para ajudar aqueles que precisam. Ok. Ah, voilà, on a toute une armée qui déboule, hein, les amis. Toute une armée. C'est parti. Oh, des jacks sont énervés. Ça va être chaud. Wow. Ah, j'ai la manette qui vibre, hein. Énorme. Ah, attendez ça. Ok. Qui va sortir des flammes? Un perso bien particulier. Ah bah c'est moi. La capoeira s'en sortira toujours, les amis. Vive la capoeira, vive le Brésil. Força Tekken da América do Sul. Mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Lydia, sobre os monges Tekken eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Ok, ok, ok. Donc continuons, continuons notre aventure. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours là, les amis. J'espère que vous kiffez comme je kiffe. Franchement. Ils nous font vraiment plaisir avec ce jeu de combat. Alors après, c'est vrai que les patchs rajoutés à chaque fois 50 balles, machin, je trouve que c'est très 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 cher. C'est pour ça que je sais pas, après pour les autres saisons, bon, je verrai, hein, si les personnages sont intéressants, je rajouterai, bah malheureusement, je n'aurai pas le choix, hein, je serai obligé de rajouter à chaque fois, c'est à peu près 50€, hein, c'est quand même cher. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, de fait qui donne plus... Bah, vous payez quand même un jeu 70-80€ un jeu, c'est quand même très cher. Et que derrière, il faut rajouter quand même 50€ pour avoir les patchs, les couleurs, les stages, enfin, débloquer tous les trucs, les couleurs et tout ça, chapitre 3. Ah, ok. Lydia. Voilà, on arrive dans le chapitre 3. Dites-moi ce que vous en pensez quand même, parce que je trouve que c'est quand même un gros investissement. Alors après... Quand on travaille, bon moi je travaille, ça va, mais quand les jeunes qui travaillent pas, qui sont étudiants et qui veulent être compétiteurs sur le jeu et qui n'ont pas forcément
qui gagne pas beaucoup, beaucoup de sous, c'est dur, hein. 80 euros, ça fait c'est quand même beaucoup d'argent. Et de mettre à chaque fois 50 balles, ce qui fait que je pense qu'ils doivent se concentrer, certains jeunes doivent se concentrer que sur un seul jeu. Je pense bien. Alors c'est quoi, c'est un iPhone, c'est quoi? Ok. Bon, maintenant, on va changer de personnage, hein. Je pense que c'est elle qui va... Ok, c'est son papa, je pense, c'est la famille, ok. Donc ouais, comme je vous ai dit, hein, il y a différentes factions dans le jeu, et donc du coup, on a eu une partie du travail a été fait par Eddie, mais voilà, ils ont tous un point en commun, c'est Kazuya, le grand méchant, comme je vous ai dit, hein, qui fout vraiment la merde. Regardez l'image avec les comètes derrière, enfin les espèces de, ouais, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des futures, des fusées, des bombes ou des étoiles filantes qui étaient derrière lui, mais c'était ultra fort comme image. Et voilà, donc du coup, petit à petit, on va découvrir tous les nouveaux personnages. Hein. Les derniers personnages, c'est les derniers DLC, en fait. Hein. Donc Lydia, Hiachi et Eddie avec Yoshimitsu. Hein. Donc peut-être que Yoshimitsu, on va peut-être le doser tout à l'heure, je sais pas. Et voilà, en tout cas, c'est parti. On va sûrement doser, je pense, maintenant Lydia. Et voilà, et Yoshimitsu, peut-être. On va voir la suite de cette histoire. Cette nouvelle histoire, en tout cas, de Tekken. C'est parti. Donc là, je sais pas où est-ce qu'ils vont. Je sais pas s'ils rentrent à la base ou ils vont directement se fight. Ah, elle arrive sur la playa, donc elle arrive sur son stage. Et à mon avis, elle va croiser quelqu'un avec qui elle va se fight. Donc là, ça sent déjà la fight. Hein. Ah bah tiens, Reina, la fille de Hiachi. Donc la famille Mishima. Donc là, ça va être une fight 100% girly. Ok, c'est parti. C'est parti, les amis. Allez hop. En tout cas, entre Lydia et Reina, alors c'est vrai que Lydia elle est très très forte, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même un kiff pour Reina au niveau du personnage et des coups qu'elle fait, de tout, de sa super, tout ça. Ah ouais, carrément ça... Ok. C'est parti les amis, le défi sur la playa. Donc on est sur le stage, hein, bien sûr, de Lydia, la polonaise, si je me trompe pas. C'est parti. Ok. Le premier coup a été bloqué. La karatéka est prête. Allez, c'est parti. Oh là, je ne me rappelle même plus comment on se fight avec elle. C'est un peu ça le problème. Ok, le hit engageur. Je me fais défoncer pour l'instant. Ok, on va... mais l'ordinateur qui déchappe, c'est quand même incroyable ça. Et j'ai mis en facile. Hein. Ah ouais, carrément le contre. Waouh. Et c'est quoi ce délire? Oh, je me fais défoncer. Ok, vas-y. Il n'y a pas de problème. On va sortir les grands moyens. Hein. Voilà, puisque à chaque fois je me fais toucher. Voilà. Le hit smash avec le hit engageur, bien sûr, qu'on a ouvert. Voilà. Ah ouais, d'accord, ils ont tous ce truc... Je suis pas mort. Oh là là, c'est chaud quand même. Je me suis quand même fait tuer. C'est chaud. En fait, j'ai son style de combat à Lydia et... recommencer, oui, forcément. On est reparti. En fait, ils ont tous ce truc de charger. Ok, c'est bizarre hein, quand même. Et j'ai mis le jeu en... Enfin, j'ai mis le game en easy. Hein. Allez, hop. Là, tu vas manger. Hop. Ok. Ah, c'est ce contre-là, mais qu'est-ce que ça... Ça me saoule. Thank you.
Voilà. Je connais pas du tout ce perso, hein. Franchement, je suis pas trop fan, hein, Lydia. Allez. Hop, hop. Elle a pas une autre chope. Ah ouais, putain, c'est l'ordinateur. Mais c'est pas possible. L'ordinateur, il ouvre l'ordinateur. Ah, quand même. Putain, il déchope tout et tout, c'est une dinguerie. Hein. Ok. Voilà, 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 les amis. Il va y avoir peut-être un deuxième round ou on passe à autre chose, je sais pas. En tout cas, franchement, Lydia, je suis pas trop fan de son gameplay. J'ai vraiment du mal. Fait des espèces de kata avec des coups complètement saccadés. Faut taffer vraiment le perso. C'est plus fluide avec Eddie, j'ai plus de facilité. Elle est puissante. Hein. Je sais que Lydia est très puissante, elle a des coups très forts. Mais je suis pas trop fan, les amis. Ah ouais, carrément. Ça sent le deuxième round. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ouh. Je crois qu'il y a un personnage qui va intervenir. Un nouveau personnage qui va intervenir. Ça sent le nouveau combat. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait lancer des bâtons comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça sent pas bon, en tout cas. Avec les fumées. Ah, c'est pour la faire tomber dans les pommes ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, ça sent pas bon. Je vous ai dit, les amis, ça sent pas bon. Ah ouais, c'est quoi? C'est la magie, carrément. Ouh, Yachi! Plusieurs Yachi? Mais non, mais c'est quoi ce délire? C'est un cauchemar. C'est juste des gardiens. On va voir. Allez, c'est parti. Voilà, de toute façon, on va les défoncer. Hein. Ah ouais. Allez, viens par ici, toi. Vas-y, viens. Ah ouais, c'est des espèces de Yachi. Allez, hop, hop, hop. Oh, oh là là. Ah ouais, carrément. Allez. Hop. Hop là, voilà. Allez, hop. Voilà. Ok. Ok, hop. Lui aussi, on va le défoncer. Putain, franchement, ce personnage-là, il est vraiment très spécial. Hein. Encore un autre. Ah ouais, ils sont venus. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont venus à 4 ou 5. Je les ai pas comptés. Hein. Je les ai pas comptés. Ah, d'accord, ok. Encore un autre. Mais non, mais c'est pas possible. Ah ouais, donc en fait, c'est un peu un style de mode. On est dans un mode un peu comme dans un mode survie, les amis. Bon, je tape un peu au pif, hein, parce que franchement, je connais pas du tout le perso. Voilà. Je les ai eus. En tout cas, franchement, Lydia, pas fan. Je suis pas du tout fan, hein, vraiment, du perso. Après, il faudrait vraiment peut-être que j'apprenne à la doser, mais vraiment, je sais pas. C'est cool, là. C'est cool, un peu en décalé, là, bizarre. Je suis pas très, très fan, hein, vraiment. J'aime bien le design, tout ça, du perso, j'aime bien. Mais la manière dont elle se fight... bof, bof, bof. Allez, on continue. Ok, on y est. Ah, le fameux bâton. La fameuse lance. Ok.
Bon. Ça devient quand même assez intriguant, hein. Je me demande. C'est quand même bizarre, hein, des espèces de Hiachi, des doublons d'Hiachi, en moins fort, bien sûr, qui déboulent comme ça, c'est assez spécial, hein. On sent que c'est le, on sent que c'est le, un, tout un renouveau autour de Hiachi, forcément. Dziadku, pokażę światu, jak używać siły w sprawiedliwy sposób. Przyjmuję każde wyzwanie. Allez, ça y est, elle a enfilé le costume de fight. Ouh là là. Ouh là. Oh, le masque incroyable avec les boules comme ça. Ok, bah c'est parti les amis, hein. Ça va se fight. Nouvel adversaire. Ouh. Ah ouais, carrément. Wow, il m'a expulsé. Allez, petit combo. Lui, on va le défoncer. Allez. Relève-toi. Voilà. Wow, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oh là là. Ok. Encore une fois le. Ok. Ok. Là, tu vas pas me saouler. Oh là là, oh, c'est chaud. C'est chaud les amis. Je suis obligé de lui mettre la max. C'est chaud, ok. Et c'est bon, je l'ai eu. Allez, enlève ton masque. Je sais pas s'il va l'enlever, hein. Alors, allez, on attend la suite, les amis. En tout cas, Lydia, j'ai vraiment, vraiment, honnêtement, les amis, hein, je suis désolé, je me répète, mais pas trop. Je sais qu'elle est puissante. Et bon, après, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Elle a un coup qui fait armor et qui fait, ça fait comme une espèce de, oui, comment dire, oui, un coup qui fait armor et qui peut après, un support. Elle a des formes de contre, en fait. Mais comme il y a déjà des contres de base, en fait, je vois pas pourquoi. Bref. Bah, c'est bizarre en fait, c'est un contre peut-être plus puissant qu'elle a. Allez, c'est parti, la fumée noire, ça va revenir, il va y avoir encore plusieurs personnes à exploser. C'est pareil, c'est parti. Ok. Mojego ojca, mojego kraju oraz mojego honoru przysięgam. Oh là là, c'est quoi ça? Potępienie niesprawiedliwości. C'est quoi ça? C'est quoi ce qu'est-ce que c'est ce délire? Fight.
Je vais lui régler son compte, hein, vous inquiétez pas. Oh là là, c'est quoi? Qu'est-ce que... Ok. Ah ouais. C'est quoi, c'est une gargouille? J'étais pas au courant. Ok. Ok. Hop, hop. Voilà, on fait reculer. Ah, les 8 engageurs, ok. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. Waouh, c'est quoi ce délire? Ok, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Nowego świata są w twoich rękach. W tamtym dniu złożyłem obietnicę, że będę promieniem nadziei dla tych, którym jej brakuje. Ça sent le deuxième round, c'est parti. Eh oui, comme je dis, elle va pas se laisser faire. Allez, allez Lydia. Allez. Wouhou! Lui, il smash! Bingo! Ok, ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? On va pas le laisser. Voilà. Un, deux, trois, hop! Ouh, pas mal ça! Pas mal le petit combo. Hop! Allez, hop! Ah, putain, mais par contre, on peut pas les choper, hein! Je suis en facile, hein, c'est ouf. Allez. Allez, je tombe le petit contre. Hop, hop. Hop. Le wallbang. Hop, hop. Et c'est bon, c'est fait. C'est fait. まさしく審議隊の均衡をよく整えし重要な場面そなたならば資格は十分じゃこちらに弱すのがそなたに合わせたきお方である. Ok. Alors, qui est-ce qu'on va affronter maintenant? Un autre guerrier encore? Voilà. Voilà, voilà les amis. Hein. Nouvel adversaire. Oh, attendez. J'arrive tout de suite, je fais mon comeback. Allez, prochain chapitre, j'espère qu'on va se fight avec Yoshimitsu, j'espère qu'on va pas continuer avec Lydia. Bon, Lydia, c'était un chapitre assez intéressant, donc on a eu cette espèce de fantôme doublon du fils, hein, du Kazuya en Evil, donc jamais vu, hein, vous voyez, comme quoi on affronte, ce qui est bien dans les modes d'histoire, c'est vrai que vous affrontez des fois des persos qu'on affronte pas en fait, ni dans le mode arcade, ni en versus, qui sont pas du tout, voilà, qui sont vraiment que dans les modes d'histoire. C'était pareil dans Street Fighter V. Il y avait des personnages comme ça un peu atypiques. Donc c'est bien.
Puis ça nous fait un peu mieux comprendre l'histoire, donc pourquoi pas, why not. Donc maintenant j'attends le chargement, voilà, nouveau chapitre, hein, forcément, chapitre 5. Alors je sais pas jusqu'où ça va, hein, désolé, en tout cas, je suis désolé si c'est un peu long, mais c'est comme ça avec le chargement. Je pense que de toute façon il n'y aura pas énormément de chapitres, hein, pour ce mode story sera logiquement moins long que le mode histoire de base. Mais en tout cas, il y a eu un énorme boulot fait sur le GameU, vous voyez les moines. Et là, bien sûr, forcément, il va y avoir la rencontre avec Ihachi. Donc là, ils s'entraînent, c'est leur lieu d'entraînement, ok, donc le nouveau stage. Et il y aura Ihachi, forcément, voilà, en grand seigneur. Ah ouais, carrément, lui soulève des pierres, des rochers, je veux dire. D'accord. Incroyable. Ah oh ouais, le nouveau stage, incroyablement, vraiment très 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 beau stage. Ah, il est là. Le daron du jeu, il est revenu, c'est parti. Ça y est, il s'entraîne. Il était en camp d'entraînement renforcé, donc c'est là, il revient encore plus fort. Voilà, hein. D'où on sait pourquoi maintenant il était pas là pendant un moment, il était absent. Voilà, il revient, le petit dragon punch, hein, forcément. Le dragon. Ok. Stylé. Et voilà, Ihachi. Le comeback. Alors. Qui va se fight en premier contre lui, je ne sais absolument pas, les amis. Ok. Ah, voilà. Alors, pour avoir eu la chance de rencontrer plusieurs fois le producteur du jeu, sachez qu'il il se comporte. Alors, je sais pas s'il fait exprès, ou je sais pas si c'est par rapport à... Je sais pas si c'est il fait exprès, ouais, d'ailleurs, ou si je sais pas si c'est un rôle qui se donne, mais il me fait beaucoup penser justement à entre Kazuya et Ihachi, quoi, dans sa façon d'être. Arada, donc, qui est le producteur du jeu, me fait énormément penser à Ihachi. Donc, dites pas ce que vous en pensez, hein. En tout cas, je sais pas du tout, hein, vraiment si c'est un rôle qui se donne, mais en tout cas, c'est assez stylé. Quand on le voit, il dégage cette aura, il dégage ce truc. On sent qu'on a l'impression que lui-même, il fait partie du cast de Tekken. Donc, c'est ça qui est assez stylé, les amis. Et c'est un bon kiff, quoi. Voilà. Ouh là là, ok, d'accord, donc je pense que je vais doser Ihachi contre le fameux moine là qu'on avait battu tout à l'heure, ok. Donc ça, c'est ils sont en mode entraînement, je pense, ok, enfin, d'après ce que je vois. En tout cas, les boules là, les grosses boules du collier là, franchement trop bien faites. Franchement, graphiquement, on est arrivé à un niveau, c'est incroyable, hein, là. Ouais, on est vraiment arrivé loin. Ah, ça y est, on va pouvoir doser Ihachi, ok. Ok, hop. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Hop. Ok, hop, voilà. Hop, oh, voilà, c'est bien ça. 1, 2, 3, hop. Ah, attendez, je vais vous faire le combo, regardez, hop. Ah, il m'a endormi avec son truc là. Hop, hop, hop. 1, 2, ah. C'est pas ce que je veux faire. Oui. Tac. Bon, c'est pas ce que je veux faire. Ok. Ok. C'est pas grave. Pas grave. On ne laisse pas le temps de bien m'exprimer, mais c'est pas grave. Et voilà. Voilà. Le taf est fait. Ouh, la patate. Attention. Le chargement, désolé. Et il a pas exactement le même visage que quand on le joue directement. Vous voyez, on sent que il a encore une autre tête là, j'ai l'impression, Ihachi. Trop stylé. Ok.
Petit ralenti, hein, des feuilles qui tombent et tout, l'automne. Donc deuxième round. Ok, bon, je vais pouvoir placer mon petit combo. Il va forcément m'agresser, voilà. Hop, 1, 2, 1. Ah, d'accord, ok. Il a les mêmes coups que moi. Tac, tac. Oh, oh. Voilà, ah, bien joué ça. L'amorti. Voilà, je l'ai eu sur ce coup-là. Ok, il m'a fait celui-là. Voilà, tac. Oh là 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 là. Bon, je me fais enchaîner. Ok. Oh, c'est... Ah, ces trucs, c'est qui... L'ordinateur, il tape toujours au même moment, en fait. Donc c'est pas compliqué de l'avoir. Ah, ok. Wow. Oh là là, je me suis fait enchaîner. You lose. Bah oui, je vais recommencer, forcément. Je me suis fait... Le jeu, il le met en... Mais j'ai choisi facile. C'est bizarre. Alors, soit je suis vraiment un sac, ou soit je suis vraiment un sac. Il y a un problème, là. Il y a un problème de... Crois-moi bien. Ah là 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 là, mais je ne peux jamais taper ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Mais je fais caravan, là. Voilà, je fais caravan. Voilà. Merci. Hop. Voilà. Ok, vas-y, vas-y. Viens faire le malin. Je vais te faire la même chose. Ah! Allez. Mais non, c'est pas possible. Et je suis pas mort. Allez. Je lui place l'ultra, hein. Je suis obligé de lui placer la super. Ah ouais, carrément, mais non. Voilà. Petit coup de pied sauté. Ça fait toujours du bien. Et on se débarrasse de notre ennemi. Voilà, donc Kiyachi hein, rentre enfin dans la danse. Ah, Lydia qui débarque avec Yuzu Mitsu, ça va se fight. Ça va s'enchaîner, les amis, ça va s'enchaîner. Je le sens. Alors. Oh, les ralentis, désolé, hein, franchement. Ok. Oh la tronche. Il fait vraiment peur, hein. Il fait peur celui-là. Il fait vraiment peur. Może mieć związek z jego utratą pamięci? I koniec. Allez, prochain combat, on attend le prochain combat, les amis. Przysięgi? O velho Heihachi era o mal encarnado. A amnésia dele é uma bênção. Heihachi-dono,
En tout cas, franchement, le jeu est magnifique. Hein. Magnifique, les amis. Ah ouais, le fameux sac. Waouh, qu'est-ce qu'il... Un autre Yaji ? C'est son doublon, alors. En maléfique. Ah, je pense que ça doit être ça. Ça doit être son doublon en maléfique. Ok. Bon, il va se fight contre lui-même. C'est parti, hein. Waouh. Ah ouais, c'est... Ok. Assez spécial, hein. Mais c'est bizarre, on peut pas choper. On peut pas choper l'ordinateur. C'est quand même assez bizarre. Hein. Ah voilà, normalement on peut choper dans tes gueules. Voilà. Waouh. Ah, carrément. Ah, il m'a eu. Mais non. Mais si. Je crois que je suis dead, les amis. Ah ouais, mais en fait, à chaque fois qu'il charge... Allez. Voilà, c'est fait. Je lui ai mis la max, c'est bon. Voilà, il va disparaître. Forcément, c'était qu'une illusion, qu'une espèce de forme d'esprit en fait, hein, contre lequel je me battais, les amis. Voilà. Donc voilà, il est allé jusqu'au bout de son truc. En fait, c'est le combat contre lui-même. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut passer à une autre étape. Donc, on va voir si Lydia va se fight. Est-ce que je vais me fight en Lydia contre Yachi? Ça risque d'arriver, les amis, je pense. Allez, prochaine étape. Voilà. Prochain chapitre. Ça sent le combat. Il precisera contrôler sa mente.
corpo e técnica para superar esse treinamento final. En tout cas, je suis vraiment impressionné, hein, vraiment des graphismes. Excusez-moi, je me répète, les amis, mais je suis vraiment impressionné du niveau graphique auquel ils sont arrivés. Franchement, les moteurs graphiques, c'est impressionnant. En plus, sur la version PC, donc logiquement, je suis censé être sur la version la plus belle du Game U, donc c'est incroyable. Donc, est-ce que je vais me taper en tant qu'Hiachi ou en tant qu'Ilia ou en tant qu'Hiachi, je crois. Est-ce que je suis censé être à gauche? Ah ouais. Voilà, hit engageur. Ça. Hop. 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 Oh, voilà. Ouh, bien joué ça. Ce n'était que parti. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on y retourne. Ok. Encore une fois, le hit engageur. Est-ce que je peux... Oui, je peux la choper. Voilà. 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 Hop. On va enchaîner, on va enchaîner. Hop. Ah. D'accord, elle m'a rendu le... un peu les coups. Ok. Ok, c'est reparti. Hop, 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 hit smash. On cherche pas à comprendre, on essaie d'arracher la barre. Hop, un, deux, hop, oh, hop, ok. Ok, un, tac, tac, hop. On fait le maximum de dégâts, hop, 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 voilà. Hop. Est-ce que je peux la choper? Voilà, moi je suis un bourrin. Ouh, le contre. Le contre trouvé par Hiachi. Stylé. Ah, c'est un grand maître, hein. C'est un grand maître. Le master. Ok, ok, ok. Allez, nouvelle cinématique, c'est pas terminé, ça va se fight encore, waouh, ça va jamais s'arrêter en fait. Ok, ok, ok. Ok. Ah. Mais bien sa garde, hein. C'est l'ordinateur. Je l'ai mis en facile le truc, parce que je suis un sac de base. Voilà, voilà, je vais lui montrer qu'elle n'y arrivera pas. Voilà, voilà. C'est bon, je l'ai eu. Ça va, rester tranquille. Et on passe à autre chose. Allez. Ok. Zanim zaczniesz, mogę cię prosić o przysługę? Czy po zakończeniu próby dołączysz do nas i staniesz... En fait, j'ai l'impression que le grand méchant, c'est vraiment du coup le fils, hein, et plus le père, hein. C'était lui le grand méchant, mais j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose. C'est devenu un moine, donc je sais pas. Il a atteint une certaine forme de sagesse. Ok. Ah, c'est ça, hein. Ah, il a des visions, ok. Ah, le problème, c'est le fils, hein. C'est le fils, hein. Ok, donc c'est Kazuya. Je
Pardon. Ouh là là, l'affrontement père et fils, je pense. Ah oui, c'est Ah non, les deux. Ça, c'était bien sûr à la fin de la principale histoire. Hein, de la principale histoire. Donc, on se rappelle bien ce que ça a donné. Ils sont arrivés tous les deux sur Terre. Ils ont dû se fight après dans leur première transformation. Ah, il était en pleine... D'accord, ok, il était en pleine séance. Quand ça s'est passé, ok, il a senti les deux énergies, je pense. Ok, d'accord, ça explique en fait où est-ce qu'il, lui, il est, où est-ce qu'il en était quand il a vu ça. Avec la fameuse météorite, ok. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, là, c'est Dragon Ball Z. Hein. Ok. Bon, bah, Yachi qui retient une météorite et qui l'a fait exploser. Hein. Bon, ça, je m'attendais pas à celle-là, mais bon. Ça prouve que le personnage est vraiment puissant. Ok. Pas mal, pas mal. Hein. Scénario assez stylé. D'accord, en fait, ça, c'est ce qu'on avait vu en trailer. Ok, ok. On y est, donc je pense qu'on va pas tarder, je pense qu'on va pas tarder à s'approcher de la fin de cette histoire. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours là, les amis, et que j'espère que vous kiffez cette histoire. Ce mode story, nouveau mode story hein, sur Tekken 8. Trop stylé. Ah, nouveau chapitre, hein, chapitre 8. On y est. Lydia, tout bien? Allez, c'est parti. Qui a éliminé tous ces moines? Ça sent le Evil Jin. Ah non, c'est Ihachi carrément qui est revenu se venger. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Il est devenu dingue. Maudito Rei Hachi. Ele voltou a ser como antes. Il a pété les plombs. Ok. Pas de problème. On va s'occuper de lui, hein. Ah ouais. C'est quand il a les cheveux dressés comme ça, la professeur Folding, c'est qu'il est devenu dingue. Il a pété les plombs. Ok. Waouh. Bon bah, ça y est, c'est la guerre. Hein. Voilà, donc le Ihachi qu'on connaît hein, a refait surface, malheureusement. Et Yoshimitsu va l'affronter en premier. Ça va être compliqué. Ah, d'accord, ok, moi je suis le Ihachi, ok. 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 Ok,
Ok. Ah, je peux même pas l'enchaîner, hein. C'est ouf. Putain, mais c'est bizarre que il fonce dessus. C'est quoi ces jeux programmés bizarres, hein. Waouh. Ah ouais, je me fais défoncer, hein. Ok. Voilà. Allez, on va spammer des coups, hein, parce que... Oh là là, qu'est-ce que... Ah, il a pas du tout la même manière de se fight que l'autre. Il a plein de coups auto. Ah, il est très puissant, hein. Il a plein de coups auto bizarres. C'est pas tout à fait le même Hiachi que le Hiachi qu'on joue. On dirait une autre version, c'est bizarre. Allez, maintenant ça va être au tour d'Eddie ou de Lydia, parce qu'il va se taper les trois. Donc Yoshimitsu, bon, pour l'instant il a servi à rien, il a pas servi à grand chose. Donc maintenant on va attaquer avec les autres persos, les amis, c'est parti. Donc je sais pas si c'est Eddie qui va y aller ou Lydia. Je pense que le plus solide des personnages, ça reste Lydia, je pense. Donc ça va être sûrement Eddie en deuxième et Lydia en troisième. On va voir si je me trompe pas. Allez, petit temps de téléchargement. Pas le choix. Voilà, c'est bien ce que je disais. Lydia, elle va y arriver. Elle va y aller en dernière. Allez, on avance. Allez, c'est parti. Boum, boum, boum. Allez, le petit combo avec la mise au sol. C'est stylé. Maintenant, on va lui mettre directement le hit smash. Voilà, comme ça, ça lui arrache. Hop. Hop, hop. On perd pas de temps. Voilà, il va se réveiller. On va lui mettre un petit perfect. Voilà, ouais. Je sais pas pourquoi il se baisse à chaque fois. Et c'est terminé. Et voilà, ça allait très très vite. Hein. Ah, il veut y retourner. Il veut y retourner. Ok. Ok, le combo. Ouh. Ouh. Oh, hop, hop. Hop. Hop, avec le petit combo au sol, la mise au sol, voilà, la mise au sol, encore une fois, la mise au sol, encore une fois, et là, je te mets la patate, et ça va pas passer, hein. C'est incroyable, hein, l'ordinateur, il bloque des trucs, il y a d'autres trucs qui bloquent pas, il y a des trucs qui bloquent, on se demande d'où il les bloque, hein. Franchement, c'est très bizarrement fait, hein, la programmation de l'ordinateur. Hop. En tout cas, les coups qui sont bas, il a du mal à les bloquer, j'ai l'impression. Il a vraiment du mal à bloquer les coups bas. Mais les coups en mid, mais il les bloque tous. Je sais pas, c'est ouf. Allez hop, tu dégages. Allez, à tour de Lydia maintenant. C'est elle qui va me sauter dessus, je pense, en traître. Non ? Coup de pied sauté ? Non, même pas. Bon, faut attendre, on va attendre la cinématique. Où est-ce qu'elle va se présenter face à face ? Non, face à face, le face à face. La grande karatéka polonaise, c'est parti. On va lui arracher la tête, c'est parti, allez hop. Hiachi, il a pas le time. Oh là là, qu'est-ce que les muscles et tout, c'est tout. Vraiment trop bien fait, hein. Vraiment trop stylé ce perso. Je regrette pas d'avoir fait ce mode histoire, hein. Vraiment, on découvre des trucs. Ok, ah, elle est énervée. Bon, c'est la plus dure à battre. Mais ça va pas être très très... Très très dur, je pense, pour moi. Voilà, lui il se match. On va lui faire comprendre qu'on rigole pas, nous. Voilà. Voilà. Elle essaie de retenir mes coups. Elle essaie de charger son truc, là, son truc bidon. Hop. Ouais, c'est pareil, c'est pas... Ok. Ok, y'a pas de souci. Petite cinématique. Allez. Ouh. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, moi aussi j'ai des trucs à lui montrer. Attendez, mais c'est qu'est-ce qui se passe? J'arrive même plus à taper. Wow. Voilà. Voilà, encore une fois. Ouh là là, ça fait mal. Voilà, c'est ça. C'est... Allez hop. Oh.
à ma contrée. Non mais l'ordinateur en fait il gagne quand il veut, hein. C'est n'importe quoi. Je vous assure les amis, c'est n'importe quoi. Elle tape... Ah là là, elle a chargé son truc de merde. Vas-y hop. Boum. Hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Oh, si, 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 si. Allez, vas-y, viens. Viens par ici. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'arrive plus à taper. Mais elle contre tous mes trucs. Ah, voilà, c'est bon. Stop. Finito, finito. Eh, il est trop puissant. C'est lui le grand chef. Hein. Je veux pas l'arrêter comme ça, Yachi. Yachi, il est là à chaque épisode, hein, pratiquement. Je crois qu'il y a... Je me demande, est-ce qu'il y a... Non, il y a aucun épisode de Tekken où il est pas là. Du coup, hein, franchement... On se demandait s'il allait arriver dans cet épisode-là, mais en fait, il est dans tous les épisodes. Hein. Il a loupé aucun, je crois, Yachi. Voilà. Malheureusement, ils sont tous KO. Ça va être compliqué. Qui va pouvoir les venger? Je ne sais pas. C'est chaud, il est en train de les terminer. Ah ouais, carrément, lui, sans pitié. Hein. Allez hop. Ils ne font pas le poids. Qui va venir les aider? À mon avis, le seul qui peut rivaliser, je pense, c'est Jin. Hein. Le seul qui peut les aider, c'est Jin, je pense. Donc il va peut-être y avoir Lars, Jin, etc. qui vont venir. Ça annonce un prochain chapitre, hein, les amis. On va arriver dans un prochain chapitre. Oh là là, l'histoire et la puissance, hein. La puissance respecte que la puissance apparemment, et ils sont pas assez puissants pour le battre, donc il va falloir d'autres persos qui viennent t'égaler. Ah, c'est pas terminé, mais non, mais c'est terminé, ça s'arrête là, l'histoire s'arrête là. Oh, c'est fini toi. Je crois que les amis, on a terminé. Alors attendez, les archives avec classifiées ont été débloquées. Ok. Ok, ok. Chapitre 8. Ah, bah je crois que c'est finito. Ah, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient au premier. Ok, les amis. Bon, bah, voilà. Hein. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite histoire liée autour, notre ami, hein, ici présent, Yachi. Yachi, hein, vraiment. Très, 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 très puissant personnage. Alors, logiquement, voilà, j'ai débloqué des trucs, c'est ça. Mais je ne sais pas. Et je ne pense pas. Alors, on va aller voir en mode, mode training. Est-ce qu'on a débloqué le stage d'Yachi? Je ne sais pas. Alors, attendez. Online. Entraînement. On va voir. Je ne pense pas. Hein, parce que je pense qu'il faut. Soit il faut l'acheter, soit il faut le débloquer. Je ne sais pas comment. On va voir tout de suite. On va voir ça tout de suite, les amis. Et après, on va se quitter. Forcément, on va le prendre. On va prendre tac, en mode Shaolin contre Kazuya, forcément le grand méchant. Je pensais qu'il allait affronter Kazuya. Ben écoutez, l'histoire elle se termine. Ouais, bah ouais, c'est lui, hein, c'est lui le grand vainqueur, hein, c'est lui le grand méchant. Alors, non, je ne sais pas comment on fait pour. Donc je pense qu'il faut l'acheter alors. Je pense qu'il faut l'acheter ou le débloquer, je sais pas. Peut-être avec le mode arcade, je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut peut-être l'acheter, je sais pas. Ah, donc je pense que c'est ça. Ok. Bon, bah voilà, hein. voilà les amis. Bah, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Si vous avez aimé, bien sûr, lâchez votre plus gros pouce bleu.
commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour savoir à quel moment je sors des vidéos. Et je vous dis à très, 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 très vite pour de nouvelles aventures, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. À plus tard, c'était le casse pour le looping et pour la 37e. Bye bye, bye. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao.